政治を一旦やめて、ビジネスを始めたんですよね。東京に出て行って、田舎からこう東京に出て行ったわけです。そのビジネスが大成功しましてね。À 48 ans, j'ai eu envie de changer de vie. Je me suis dit, bon, la politique c'est bien, mais je ne pourrais pas faire ça toute sa vie. Donc je suis partie à Tokyo et j'ai fait du business. Et ça a très bien marché. あまり慣れない庭のお金持ちになってしまったんですよね。慣れないで、急になんかこう慣れないお金持ちになってしまった。Et tout d'un coup, je suis devenue riche et je n'avais pas l'habitude d'être riche et je me suis dit que je vais faire de cet argent.でそのお金を何かこう、まあ普通日本人だったら土地を買ったり株買ったりするんですけどね。そうじゃなくて何かいいことに使おうと思って考えた。Alors je me suis dit bon, d'habitude quand on est riche, les Japonais, mais je pense que c'est dans le monde entier, soit on achète de l'immobilier, de la terre, ou bien on achète des actions. Mais je me suis dit, j'ai utilisé cet argent, j'ai essayé d'être utile à la société. でその時にちょうどこの映画の2011年3.11が起きて、でこれは何かこう記録に残さなきゃいけないと思ったんです。Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'accident de Fukushima. C'était le 11 mars 2011. Et là, je me suis dit, il faut garder ça, faire un document pour l'histoire. で、まあちょっと上場もしてお金があるから、その金を映画に使っちゃえと思ったわけです。J'avais l'argent qui était bon placé en bourse et j'ai dit bon cet argent je vais l'utiliser pour faire ce document. Donc c'est moi qui ai financé entièrement tout ce film. Et l'autre raison quand même, c'était le document certes, mais il y avait une autre raison pour laquelle j'ai voulu faire ce film.その当時の日本のマスコミや国民の大方のほとんどの人が思ってたのは、その当時の民主党内閣、民主党政権、本当に3年ぐらいしかなかった日本の短い今野党の政権ですけど、その当時の民主党政権、出てきた菅さんの内閣が何かこう福島で失敗をして、だから事故が拡大したという宣伝を日本中が行ったんです。そういう宣伝を。À ce moment-là, régnait dans toute la presse japonaise, dans l'opinion publique japonaise, la rumeur selon laquelle c'était la faute si Fukushima est arrivé, c'est pas la faute de Kan, mais si ça s'est mal passé, si ça s'est détérioré et si ça a empiré, c'est la faute du Parti démocrate, le pauvre Parti démocrate qui était le premier parti d'opposition qui prenait le pouvoir.Et qui n'avait que 3 ans de prise de pouvoir. Et toute la faute est retombée sur ce parti démocrate. On a dit, c'est Kan qui était un incapable, c'est Kan qui a mal géré la chose. Et c'est à cause de Kan que les choses ont empiré. Et ça aurait été un autre parti, on peut s'en nommer. Ça ne serait pas passé comme ça et ça aurait été très bien. Donc j'ai senti que ben, c'était insupportable d'entendre cette rumeur qui était faite, qui était manipulation.日本にこう原発を作って、それをどんどん増やして推進してきた勢力、その勢力やその政党がたまたま野党にいるときに事故が起きて、人のせいにするというのはこれ許されなかったんですよ、私。J'ai pas pu supporter l'idée que, en fait, c'est le parti qui a créé les centrales nucléaires, qui les a construites, qui les a développées, qui a poussé le nucléaire au Japon, il se trouve, il a...qui a régné sur toute l'après-guerre japonaise, toute cette période où on a mis sur pied les centrales, le Parti libéral démocrate, justement, par hasard, il n'était pas là, il n'était pas au pouvoir pendant les 3 ans, juste, et il y a eu cette crise à ce moment-là. Alors, j'ai pas vu, je ne supportais pas cette injustice, ce n'était pas possible d'incriminer un parti qui était dans l'opposition et qui a fait vraiment rien pour la promotion du nucléaire. D'autrement,本当のことは何だったのかということが知りたかった。で、私も一生懸命研究しました。だから途中に出てきたと思いますけど、東電の会議がありましたよね。東電内部 のいっぱいテレビでこうつながってる。あの会議は実はインターネットで公開されてるんですよね、部分的に。それを徹底的に調べました。それから国会事故調というその事故調査会の文献も全部調べた。そして今日出てくる菅さんや福山さんや、
その人たちが書いた本を全部調べて、全員に会っていろんな情報を聞いて、これが本当だ、これが本当の姿だろうと思うものを映画に仕上げました。 Et moi j'ai voulu savoir la vérité parce que de toute façon il y avait des scènes que vous avez vues dans le film qui étaient déjà diffusées sur internet, par exemple la scène où on voit au siège de la TEPCO tous les moniteurs, les écrans de télévision où on voyait que les responsables de TEPCO étaient en communication permanente avec l'usine alors que le gouvernement, lui, était privé d'informations. Cette scène était sur internet, enfin c'était publié, on le voyait. Il y a eu aussi des témoignages, il y a eu une enquête parlementaire devant laquelle ont été convoqués beaucoup de responsables, les membres du cabinet, les responsables de TEPCO, et tous les résultats de l'enquête, de rapport a été publié. J'ai donc cherché tout ça, j'ai vérifié tout ça. Il y a eu aussi des témoignages écrits de Kan et de Fukuyama, son directeur de cabinet adjoint. Tout cela, j'ai tout dépouillé et j'ai dit, mais la vérité, c'est complètement autre chose que tout ce qu'on essaye de nous inculquer et de nous manipuler. Donc, la vidéo de Naïda Ega est, pour ce qui est le plus important, c'est une vidéo de Naïda Ega. それのことで、あとで皆さんから何か質問があったら、お答えしたいと思います。本当に今日はありがとうございました。Donc, j'ai voulu voir tout ce que vous avez vu dans le film et pratiquement tout est absolument vrai, très près de la vérité. Il y a des personnages inventés, mais c'est la vérité que j'ai essayé d'approcher le plus possible. Et je vous remercie d'avoir partagé cette vision. Ah, merci. Peut-être avant de commencer à faire des débats, j'aimerais bien juste un point important, c'est que l'accident de Fukushima, il est toujours dans la continuation. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'état d'urgence, 7 ans après, on n'arrive pas à confiner la radioactivité. Et l'action continue. Donc c'est très grave. Mais personne n'en parle. Et que la gestion post-accidentelle est extrêmement difficile. Il faudrait rassembler toutes les intelligences scientifiques du monde entier pour s'affronter à cette situation qui est tout à fait inédite. C'est la première fois que des réacteurs, plusieurs réacteurs, a eu des meltdowns fondus complètement. C'est la première fois. On n'a jamais eu cette sorte d'accident. Donc ça, il faudrait vraiment avoir le courage de voir la vérité et d'essayer mieux possible gérer cet accident. Mais il n'y a pas vraiment une solidarité de communauté scientifique internationale. On laisse gérer TEPCO et le gouvernement japonais. Et puis, les lobbies nucléaires internationales essayent d'effacer complètement l'accident de Fukushima. C'est la raison pour laquelle Abe, le gouvernement Abe a proposé de faire les Jeux Olympiques de Tokyo dans 12 ans. Et ce sera un grand spectacle pour effacer Fukushima. Il faudrait donc que les Français prennent la conscience aussi par rapport aux Jeux Olympiques qui vont venir dans 12 ans à Tokyo. Il faudrait faire la mobilisation pour faire boycotter la délégation française pour ne pas aller là-bas parce que c'est contaminé. Fukushima était prévu pour faire un match de football, mais le stade est contaminé. Alors que Abe a prétendu devant la commission internationale, comme si tout est bien sous contrôle, bien géré, pas de problème. Voilà, c'est juste ces points-là que j'aimerais bien vous parler. Et maintenant, les paroles sont à vous. Thank you.
Merci pour ce film qui cherche à établir la vérité. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez des informations sur la nature exacte de l'explosion du réacteur 3, qui semble, d'ailleurs on le voit dans le film, que l'explosion du réacteur 1 et du 3 ne se ressemble pas du tout. Est-ce qu'on peut parler d'une explosion d'une autre nature que celle d'une explosion d'hydrogène? あのね、違うという人もいます。1号機と3号機はね、違うという人もいますけど、本当は同じだと思います。1号機も3号機も水素爆発だと思います。Non, il y a des gens qui disent effectivement que ce ne sont pas les mêmes origines, mais moi je sais que c'est le 1 et le 3, c'est des explosions d'hydrogène. Toutes les deux. Ça avait semblé différent, mais... アメリカの、まあ、そのよく研究してるね、偉い学者の人でも、3号機は実はあれはもう水素爆発じゃなくてね、小さい核爆発だったんだとかいう、小さい核爆発。だという人もいますけどね、私は水素爆発じゃないかと思ってます、今のところね。だけど、その私がそう思うのも、そういう情報がそう正しいと思ってるだけで、これ何が真実かちょっとまだわからないですけど、多くの学者はどっちも水素爆発だと言ってます。En fait, je ne sais pas, j'ai eu un peu l'impression aussi que c'était peut-être une explosion atomique réelle, mais en fait, il semble que d'après la majorité des documents et des informations qu'on a, que ce soit la même origine, ce soit des explosions d'hydrogène. C'est vrai qu'il y a un scientifique japonais qui travaille depuis longtemps sur la question nucléaire. Lui, ils disent que c'était une explosion atomique, nucléaire. Qui ça? Réellement. Qui dit ça? Mais, comment il s'appelle? Il s'appelle Tsuchida. Tsuchida. Mais il y a des avis, voilà, la majorité, c'est pas ça, mais il y a effectivement des avis. Bonsoir, merci pour ce film. J'aimerais savoir, le Japon est un pays de faille, enfin, qui se construit sur une faille, le long d'une faille. Que se passera-t-il au prochain séisme? Parce qu'il va y en avoir. Et que se passera-t-il à Fukushima au prochain séisme, avec les 80 piscines, tout ça? Et comment expliquer l'amnésie des populations vis-à-vis de l'énergie nucléaire?地震に関して言えば、今年もね、大阪で大きな震度6強という地震がありました。で、先月は、9月6日、今月ですね、北海道というところで、震度7という地震がありました。で、この地震では40人が亡くなりました。で、これがね、北海道全部がブラックアウトしたんですよ。北海道というと、面積でいうと、チェコ、ぐらいかな、ヨーロッパで言えば。そのぐらいのところはね、ブラックアウトして、一切電気なくなったんですよね。それはね、比較的早く、2日ぐらいで元に戻ったんですけど、でもその間に、その、いろんなトラブルがありました。だから、地震というものを考えたら、原発だけでなくても、電気そのものがなくなるというのがね、今回の経験だったわけです。で、原発に話を戻すと、原発に話を戻すと、今度ね、なんかこう、地震とか津波があったら、さっきのコリンさんの話じゃないけど、福島はまた同じこと逆戻り、いや、それよりもっとひどいことになると思います。だから、そういうことが分かってんですよね。分かっててもやめられないってよくあるでしょう。分かってるけどやめられないってね。これは日本人もね、考えなきゃいけないですね。本当に私は、その原発をその再稼働するというのは本当に間違ってると思います。
で、なぜかというのはちょっと別にしないと、あの話がちょっと小耳すぎますので、ちょっと一旦ここで聞きます。Parce que vous savez, les failles au Japon, c'est vrai qu'il y a des tremblements de terre tout le temps, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Il y en a eu il y a trois mois à Osaka avec un niveau 6, et le mois dernier, non, il y a deux semaines, Hokkaido, niveau 7, qui est plus fort que Fukushima. Et quand on parle de Hokkaido, c'est une superficie de la Tchéquie en Europe. Et c'est un territoire immense qui a été complètement privé d'électricité pendant deux jours. Et il y a eu 40 morts. Et donc, c'est pas seulement des problèmes de centrales, mais il n'y avait plus d'électricité du tout. Pas seulement à la centrale, partout. Tout. Et donc, il y a eu effectivement beaucoup d'accidents dus à cette absence d'électricité. Donc, c'est complètement préoccupant. Je crois que s'il y avait un nouveau tremblement de terre à proximité de Fukushima, ça sera... on ne sait pas ce qui va se passer, ça sera pire qu'avant. Enfin, ça va, là, pour le moment, tout continue. Colin vient de nous raconter que tout continuait, mais il y a plein de... Les piscines ne sont pas vidées, tous les combustibles irradiés sont dans les piscines, et les réacteurs sont fondus, on ne sait pas où ils sont. C'est inimaginable. Et donc, on le sait, malgré tout, on continue. Et il n'y a rien de pire que ça, on le sait, et on continue, et on se demande pourquoi, mais on ne peut pas comprendre. Alors, tu veux évoquer la deuxième partie de la question ?日本でなぜ原発をせっかくなくなってた原発ね、実際にはその今日映画であったと思いますけど、1年1ヶ月の間は原発ゼロだったんですよ、日本は。それをまだその再稼働していく理由は何かと言いますと、まあ、一番はね、やっぱり電力会社の利益なんですよね。電力会社は原発はもう作ってるから動かせば安く電気ができますよね。原発を最初作る段階、動かす段階、そして後の燃料の処理する段階、全部出したら原発が一番高いですよ、事故の、その、事故のね、あと始末まで考えたら。で、そうじゃなくて、今、ある原発を動かすだけだったら安いですよね。それは、中東から石油やガスを買ってきてね、発電するよりは、それは原発の方が安い、今の時期だって考えてみたらね。そういう、まあ、電力会社のわがままだというのが一番大きいです。もう一つは原発をやることによって利益がある人が、ほんのわずかな人だけど利益がある人が頑張っている。で、国民は6割や 60% 以上反対なんですよね。だからこれを、国民の声を政治に生かすように我々はしたいと思っています。Donc en fait, pourquoi les centrales, on a repris, on fait redémarrer les centrales?C'est absolument incompréhensible dans ce pays. Alors qu'on a été pendant un an après Fukushima, sans aucune centrale nucléaire, et le Japon se portait très bien, et ça se passait très bien. Mais pourquoi on les a fait redémarrer, et pourquoi ils veulent continuer à les faire redémarrer? C'est pour l'intérêt, pour l'argent, c'est les électriciens, dès qu'ils font tourner les centrales. Quand il s'agit de les construire, de les exploiter, ça coûte cher au début.Mais maintenant qu'elles sont là, il faut les faire tourner et c'est de l'argent qui leur tombe dans les poches chaque mois. C'est l'intérêt pour les électriciens. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui ont intérêt à ce que le nucléaire continue. Et c'est pour l'intérêt de ces gens-là que 60% des habitants du Japon qui sont opposés aux centrales ne sont pas écoutés parce qu'ils ont la voix plus forte que les 60%. Actuellement, la population à 60% est contre le redémarrage.J'ajouterai peut-être pour vous expliquer sur cette question un mot pour dire que dans les années 70, au moment où on a construit, comme ici en France, beaucoup de centrales nucléaires, on disait que centrale nucléaire a une sécurité absolue. Et le Japon a une technologie suffisante pour résister à un certain nombre de tremblements de terre de niveau assez important. Donc, évidemment, la population était complètement manipulée par ça et on ne savait pas qu'il y avait partout des failles actives sismiques
partout dans le Japon. Donc maintenant, après Fukushima, beaucoup de journalistes et des scientifiques dévoilent certaines vérités par rapport au risque sismique. D'ailleurs, vice-président de la commission de régulation japonaise, il était un spécialiste de séisme, et il a dit que c'est vraiment aberrant d'autoriser les redémarrages de certains nombres de centrales sans vraiment juger la sécurité qui comporte contre un éventuel séisme, puisque actuellement au Japon le séisme est très important, on le sent presque tous les jours, et grand séisme est prévu depuis longtemps sur la côte est-sud de Pacifique. Donc, par exemple, moi je travaille pour une revue qui s'appelle Day Japan, qui a annoncé ce grand risque au mois de janvier 2011. Alors, 3 mois plus tard. Voilà. Donc, oui, mais pourquoi il a dit les entreprises veulent gagner encore de l'argent. Bah évidemment, si un réacteur fonctionne une journée, combien il gagne? C'est environ 10 millions de yens. 10 millions de yens par jour. Par jour. Il y avait un monsieur là-bas. Là-bas, j'ai une dame là-bas. Il y avait un monsieur là-bas. Là aussi, là, oui. Que des questions. Il n'y a que des questions. On peut prendre 2 questions. Faut, il était déjà allumé. Oui. Bonjour. On fait 3 questions. La question aussi, c'est comment vont la nature et la population là-bas? Rien ne filtre. Et est-ce qu'il y a eu des statistiques? Est-ce que la médecine essaie aussi de bouger? Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Parce que nous, on n'a aucune information. Est-ce que les gens, est-ce que la nature est modifiée? Est-ce que les gens sont malades? Est-ce que ça se dit, etc. Bon, concernant par exemple les pathologies, les conséquences sanitaires de Fukushima, il y a déjà 160 enfants qui ont été reconnus atteints de cancer de thyroïde. Surtout, cancer de thyroïde en général, par rapport au nombre qu'on peut compter, 2 enfants sur 100 000 personnes. Donc, cancer de thyroïde chez les enfants, c'est extrêmement rare. Alors qu'au bout de 3 800 enfants examinés, il y a déjà 160 enfants atteints qui ont été réellement opérés. Et puis, après, ça peut recommencer aussi un jour. Donc, le traitement doit être pour toute la vie. C'est vrai qu'actuellement, cancer de thyroïde, on arrive à les soigner, sauver la vie, mais ça peut recommencer. Et puis, toute la vie, il faut être sous le traitement médical. Donc, déjà, sur le point de vue cancer, c'est grave, mais les autorités ne reconnaissent jamais que c'était à cause de la radioactivité de Fukushima. Jamais. Et puis, la radioactivité, ce n'est pas seulement le cancer. Il y a beaucoup d'autres pathologies qui sont reconnues depuis Tchernobyl. On connaît beaucoup de choses, beaucoup de pathologies importantes, et puis beaucoup de crises cardiaques qui amènent des fois à la mort. Donc, il y a pas mal de gens qui sont morts comme ça,
mais tout est nié par, dans la causalité entre leur santé et la radioactivité. C'est ça la tendance actuellement. Et puis, le lobby nucléaire international domine partout. Ce lobby, moi je dirais mafia atomique, qui essaye de effacer les conséquences sanitaires. Donc avant c'était le mythe de sécurité absolue des centrales nucléaires, maintenant c'est le mythe de non-dangerosité de la radioactivité. Voilà, actuellement c'est le lobby français, sont très actifs au Japon. Une association qui s'appelle CEPN, Centre d'évaluation dans le cas de nucléaire, fondé par CEUA, Areva, UDF, maintenant IRSN participe aussi. Cette association, le directeur Jacques Lochard, il est venu tout de suite en automne 2011. Il a fait un grand discours pour dire que la radioactivité, ce n'est pas très grave. Hein. Finalement, c'est beaucoup moins grave que ce qu'on croyait. Il faut simplement bien éduquer et la population pour donner une formation de radioprotection. Et cette culture de radioprotection est tout à fait dans la lignée de la volonté de lobby nucléaire international. Voilà, donc c'est extrêmement maintenant difficile de dégager cette mainmise, pas seulement le gouvernement japonais, corrompu avec ce lobby, mais le lobby international qui s'installe à Fukushima, à IAEA, et à l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'installe à Fukushima. C'est lui qui contrôle aussi les conséquences sanitaires, mais il n'est pas à l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi IAEA s'installe là-bas pour contrôler tous les problèmes de la santé et des hommes et des femmes. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour ce film. Et je vous remercie, vous êtes un exemple qui est rare d'avoir gagné beaucoup d'argent, de reconnaître que vous en avez gagné beaucoup et que vous osez le dire. Et fabriquer un film qui, je pense, sera utile. Merci. Je voudrais ajouter sur l'utilité que ce film est très intéressant, mais il est encore plus intéressant par votre présence. Parce que ici en France, nous sommes dans une situation de négation du nucléaire totalement semblable à ce qui se passe au Japon. Au moment de Tchernobyl, on l'a vu que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière et tout le monde l'a cru. Ou quand on ne l'a pas cru, ça n'a pas changé grand-chose, c'est-à-dire qu'il y a des associations anti-nucléaires. On aurait dû, après Tchernobyl, être une masse énorme à aller dans ces associations anti-nucléaires. Mais non, c'est comme au Japon, le peuple continue à accepter le nucléaire. Alors c'est pour ça que c'est très important que vous soyez là pour expliquer la suite. Parce que c'est encore plus vivant que de faire un film pour expliquer la suite. Donc, je m'arrête là et je vous remercie.
pénitentiaire, finalement. Il y a eu 100 000 personnes qui ont été déplacées, hein, et donc leurs maisons ne sont plus utilisées, les usines, les fermes qui étaient sur place ne peuvent plus être exploitées. Et donc finalement, je me pose la question, qui paye pour ces dégâts? Est-ce que TEPCO était assuré et a remboursé tous les gens qui ont été déplacés? Financièrement, qui a payé pour cet accident nucléaire? Ou pas payé? あのね、避難してる人は大きく分けて、福島県から外に避難してる人と、福島県内に、県内で、被爆の大きいところから小さいところへ避難してる人というふうに2つに分かれるんですよね。で、福島県の外に出てる人には何の一切ありません。何も補助ありません。で、福島県内に移る人には、Grosso modo, je vais vous dire, il y a deux sortes de réfugiés, il y a d'évacués. Il y a eu les évacués qui ont quitté le département de Fukushima. Ceux-là, ils n'ont eu aucun dédommagement de quelque sorte que ce soit, aucune garantie, rien du tout. Ceux qui sont restés à l'intérieur du département, qui se sont déplacés à l'intérieur des zones fortement irradiées vers la capitale, vers la capitale du département, Fukushima ou d'autres régions moins irradiés, ceux-là ont des sortes des aides de différentes sortes et c'est le gouvernement qui paye. Et これはね、本当はすっごくね、あの、おかしいことです。どこに避難しようと、それは避難なんだから同じように応援しなきゃいけないのに、福島県から出てはいけないというね、こんな、あの、福島県の方が、あの、放射能高いに決まってるわけですから。それを応援して、外に出てる人を応援しないというのは、全く政府間違ってると思います。Et je trouve ça complètement bizarre et absolument absurde parce que être évacué, que l'on soit évacué à l'extérieur du département ou à l'intérieur, c'est la même chose. On est évacué, on doit quitter le lieu de son lieu de vie. Donc c'est absolument anormal que ceux qui sortent du département, les autres, on les condamne à rester à l'intérieur de ce département où par définition, l'irradiation est plus forte. Et c'est une aberration que le gouvernement les encourage à rester dans cet endroit. C'est totalement absurde et injustifié. それから政府がやってるか、テプコがやってるかという問題は、確かに形の上では重要ですけれど、本当は意味がない。もうすでに政府がテプコを助けてるわけですから、テプコから出ていったらまた政府が助ける。政府が直接出すも全く同じ意味です。Et quant à dire que c'est le gouvernement, il faut mieux le dire franchement, parce que de toute façon, si TEPCO devait s'effondrer, le gouvernement empêcherait de s'effondrer. De toute façon, ce sera l'argent qui sortira de la poche du gouvernement. Donc, pour le moment, autant être franc, c'est le gouvernement. Mais qu'on le réclame de TEPCO, TEPCO sera renfloué par le gouvernement. Donc finalement, quand il y a un accident majeur comme celui-là, eh bien, c'est l'argent qui sort de nos poches à nous, qui va renflouer, qui va aider à guérir, si on peut dire, pas guérir, mais à panser les plaies. Donc c'est notre argent, c'est nos impôts qui payent. De toute façon, si c'était TEPCO, de toute façon, derrière, ce serait pareil, ce serait renfloué par. Donc c'est la même chose. J'ajouterai aussi, concernant les réfugiés, c'est qu'actuellement, les autorités locales et le gouvernement essayent de faire revenir dans les zones contaminées. Parce qu'en disant qu'on n'a pas plus d'argent pour financer la vie de réfugiés, et puis le niveau de dose aérienne est très baissé depuis 7 ans, donc revenez vivre dans les zones contaminées. Voilà actuellement toute cette campagne de retour des habitants,
c'est aussi en collaboration avec le lobby nucléaire international. Bonsoir, j'aurais pu savoir aussi comment le Japon a réussi à se passer du nucléaire du jour au lendemain, après l'accident, parce que l'argument qu'on nous oppose souvent, quand on dit on veut arrêter le nucléaire en France, ils nous disent on ne veut pas retourner à la bougie. Et dans le quotidien, comment les Japonais vivaient ça? On dit qu'ils ont dû restreindre beaucoup leur confort, ou comment s'est passé vraiment au quotidien? À l'époque, juste après, les centrales nucléaires n'ont pas fonctionné. Et depuis?原発のない時にどうやってしのいだかというと、一つは省エネです。まさにね、エネルギーを電気を使わないようにしましょうという運動が結構日本人が上手になりました。これ一つ大きいことです。もう一つはやっぱりその石炭石油ガス、これで頑張っています。ただし、一番重要なことは自然エネルギー太陽光水力風力。 特に太陽光が3.11以降、日本では急速にこんな感じで増えてきました。もう原発20基分ぐらいの太陽光発電が今日本に3.11以降増えてきました。それが大きな結果です。 Donc la politique de réduction d'énergie a été très respectée pendant les deux années après Fukushima. C'était des réductions de consommation d'électricité en principe. Et puis, donc les Japonais faisaient attention, ils utilisaient moins la clim, ils allaient au bureau sans costume, ils allaient en chemise. Ils ont économisé par tous les moyens et ils ont été très bons. Et ils ont réduit considérablement leur consommation d'électricité. Et après, donc, les économies d'énergie ont été appliquées de manière très stricte, très volontaire. Les Japonais ont été remarquables dans ces réductions de la consommation d'électricité. Ils ont trouvé tous les moyens possibles pour utiliser moins, pour éteindre la lumière plus souvent. Enfin, tout ce qu'on nous dit de faire tous les jours, ils l'ont fait. Et quand tout le monde s'y met, ça donne des résultats. Ensuite, il y a eu des informations, il y a eu bien sûr plus d'importations de gaz et de pétrole et de charbon, mais surtout il y a eu un développement considérable des énergies renouvelables, donc l'hydraulique, l'éolien et surtout le solaire. Il y a eu une courbe fantastique de développement du solaire au Japon. On a l'équivalent de 20 réacteurs nucléaires a été construit en solaire depuis Fukushima. Donc il y a un gros accent世界でね、一番太陽光発電がね、盛んな国はどこですかって言った時ね、皆さんはそういうことをよく知ってる方ですけど、一般の人はあまり知らないんですよね。一番中国なんですよ。で、日本はその、この去年の実績で言うと、太陽光発電が増えた、設置した量だと、一番中国、二番ドイツ、三番日本なんですよ。 このぐらい太陽光は一気に増えてきました。だから私はそれでもまだね、太陽光は全体の 5% ぐらいしかありません。だからこれ太陽光、風力、水、この 3つをね、やっぱり増やしていかないと、どうしても自然エネルギーの方に行かないとこの問題は解決しないと思います。 Alors, je ne sais pas si vous savez quel est le pays qui est le plus producteur d'énergie origine solaire dans le monde. Voilà, c'est la Chine. Après, vous avez l'Allemagne. Et maintenant, vous avez le Japon. Et le Japon a considérablement augmenté sa capacité de production d'énergie solaire. Mais ce n'est encore que 5% de sa consommation. Mais il y a un grand potentiel là-dedans. Et je pense que c'est vraiment la seule solution pour résoudre ce problème du nucléaire. L'alternative au nucléaire, ce sont les énergies renouvelables. Et le deuxième, c'est l'Allemagne ? Le deuxième, c'est l'Allemagne maintenant. Chine,
Quelle est l'audience du film au Japon? Est-ce qu'il a été distribué en salle? Première question. Deuxième question, si 60 majorité de la population est contre les centrales nucléaires, ça se traduit comment? Est-ce qu'il y a des mobilisations, des réunions publiques? Et le fait que le Japon, il y a eu deux, Nagasaki et Hiroshima, et toute façon la bombe nucléaire, est-ce que ça a une incidence dans la perception du nucléaire en civil et militaire? Le film est sorti au Japon en 2016, en juillet 2016. Il était prévu dans un cinéma, il est sorti à Tokyo dans un cinéma où il devait rester 3 semaines. Et je ne sais pas pour quelle raison, c'est toujours encore une question pour moi. Au bout de 2 semaines, on a arrêté la diffusion, alors que les salles étaient pleines et que ça marchait très bien. À part cela, il a été projeté dans 39 salles de cinéma dans tout le Japon, à une diffusion normale. Une semaine ou 2 semaines, dans 39 salles. Et ensuite, il a été distribué par des diffusions militantes, comme c'était organisé ce soir, dans des cinémas, par des groupes, des associations. Et ça a été, il y a eu 390 lieux, projections comme ça, militantes. Alors, par ailleurs, on a édité un DVD, et le DVD a été mis dans les sociétés, les clubs de vidéo. Il a été vu par 30 000 personnes. Enfin, loué par 30 000 personnes. Et vu par plus de ça. 運動がどうなってるかというか、この映画が運動に与えるほど、この映画は実際承知的なところみんな流行ってるわけでありません。やっぱり今日みたいにある程度志のある人を見てくれて、次の展開をまだできてないんで、どうか皆さんもね、今日映画を見てくださった方は、次の展開にね、こんな映画あったとかね、やっぱりやっぱダメだという運動の一環にね、ぜひこの映画の紹介をしていただきたいと思います。 2011年事故起こって、12年、13年、14年あたりからすると、やっぱり運動の量が減ってきました。これ残念ですけど、やっぱり人ってはすれるんですね。昨日、たまたま昨日はさよならゲームパスという大きな会がありましたけど、その主催者は8000人って言うけど、実際に見た人は3000人ぐらいかなというぐらいで、一番多い時は10万人以上集まってました。 En ce qui concerne la forme de prendre les manifestations antinucléaires au Japon, malheureusement le film n'a pas pu déclencher de grands mouvements auxquels je rêvais, mais enfin il n'y a pas eu, les gens sortent de là regonflés, mais ça ne déclenche pas un grand mouvement national. Alors c'est à vous maintenant, on passe le relais, déclencher quelque chose après avoir vu le film, si vous pouvez. Et je lui demande les manifestations au Japon. Après 2011, il y a eu beaucoup de manifestations organisées par des groupes, Sayonara Genpatsu, au revoir sortir du nucléaire, quoi, l'équivalent de sortir du nucléaire, au revoir les centrales, ça s'appelle au revoir les centrales. Il y a eu des manifestations qui ont réuni jusqu'à 100 000 personnes,
mais malheureusement, ça décroît. Et là, hier, justement, il y avait une de ces réunions-là. Les organisateurs ont dit qu'il y avait 8000 personnes. Moi, je crois, j'ai vu, c'était 3000, 4000, quoi. Et ça décroît chaque année. Mais je crois que c'est un petit peu partout pareil. Et c'est très, très dur de mobiliser les gens. Vous le savez.広島長崎があるのになぜ日本は原発進めたんだというのはこれはねちょっとその時の政治的背景ものすごく難しいアメリカからの力とかね日本あるんですけど簡単に一言だけで言うとやっぱりね原子力の平和利用と言って原子力は爆弾にしたら危ないけど平和利用して発電すれば、これは非常にいいもんだというふうに国民を騙してきたというのが結論です。 Alors pour dire pourquoi un pays qui a connu Hiroshima et Nagasaki a tellement promu la construction de centrales nucléaires, c'est une histoire qui pourrait prendre des heures. Je vais vous le dire très simplement. Le peuple japonais a été manipulé effectivement par les Américains qui, après Hiroshima et Nagasaki, ont mené toute une campagne pour dire le nucléaire, l'usage pacifique du nucléaire, l'atome, c'est horrible si c'est pour la guerre et si c'est pour la bombe, mais si c'est pour la paix, et c'était l'usage pacifique du nucléaire, et le nucléaire pour la paix, c'est quelque chose de bien, vous allez devenir très fort, et les Japonais l'ont cru, et ils ont été trompés par la propagande américaine. L'usage de l'atome pour la paix, c'était imparable comme devise, et ils ont foncé dans le panneau, et ils se sont dit, oui, bon, on a connu le mauvais côté de l'atome, ben maintenant on va promouvoir le bon côté, l'usage pacifique pour la paix. Qui avait posé la question. Oui, je vais poser une question un petit peu culturelle sur la façon dont les gens se sont comportés aux différents niveaux. En fait, on l'aperçoit un petit peu dans le film, cette façon de prendre le problème sur soi, c'est mon problème, donc je vais le régler, et d'avoir la sensation peut-être, je ne sais pas, de perdre l'honneur si jamais je demande de l'aide, si jamais par exemple, est-ce que les Japonais ont très rapidement fait appel à de l'aide internationale pour régler le problème? Ou est-ce qu'au contraire, par exemple, TEPCO, est-ce qu'ils n'ont pas voulu se tourner vers le gouvernement parce qu'ils se sont dit que c'est notre problème, notre responsabilité? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui rentrent en jeu, qui sont liées finalement à la culture japonaise? Ou est-ce que... いや、実際にテプコは政府の助けを求めない。あ、映画の段階でね、映画の段階の話で、いや、それは違います。全然違います。要するにテプコは隠したかっただけです。 Non, c'est pas parce qu'ils sont. Non, ils voulaient simplement, ils voulaient cacher la faute. Oui. C'est pas parce qu'ils voulaient pas demander l'aide du gouvernement, ils voulaient le cacher. Les employés, par exemple, qui prennent sur eux, quand même. Il y avait d'autres jugueurs qui sont pas les cheveux menés, ils sont pas les mamoros, tout ce qui est là. あの、従業員はもう、あの、現場はね、福島の現場の人はもうやるしかない。で、東京の本社は隠すしかない。この違いがはっきりあったから、余計にうまくいかなかったんだと。Non, je crois que les gens de la centrale, ils étaient devant le mur, il fallait qu'ils fassent, c'est pas parce qu'ils voulaient pas demander l'aide de quelqu'un, ils savaient qu'ils étaient, il fallait qu'ils résolvent le problème. C'est pas... Et puis les cadres de TEPCO, ils voulaient cacher le maximum. C'est pas la culture japonaise, c'était vraiment du... c'était tout le monde était un peu paumé, et puis c'est pas très japonais. Et puis il y a la dame là. Tu veux dire quelque chose? Si la France va sortir du nucléaire avant l'accident. Je suis très normale sur France, voilà. Jiko no mae. J'ai
日本のこともよくわからないんで、フランスのことはもっとわかりませんけど。もしこれは、じゃあ、パクレポンポンサケションポルジャポンとキプパレポンポラフランス、じゃあ、パクレポン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 自然エネルギーができれば自然に原発なんかいらないんだから、その自然エネルギーがなかったら日本みたいにじゃあどうするんだどうするんだ原発しかないだろうっていうふうな論理に負けてしまうんで、実際にその代わりになるものを早くその基盤を作っておけばね、何かの時にすぐ変われます。ce que je peux dire simplement c'est qu'on peut préparer la voie de la sortie du nucléaire en, en promouvant au maximum les énergies renouvelables de façon à ce que ce ne se trouve pas comme dans la situation du Japon où on dit ah, on a que le nucléaire, on a que le nucléaire, non, et la France encore plus, on a que le nucléaire, non, si vous avez les énergies renouvelables et que vous les développez suffisamment, les arguments de, des promoteurs du nucléaire tomberont à plat. Donc il faut développer dans toutes les occasions possibles les énergies renouvelables et puis vider, faire brûler la terre du nucléaire. Alors... C'est ça qu'il faut faire. ごめんなさい、あの一つだけね、絶対皆さんに今日伝えなきゃいけないことがあるのを私忘れてました。パンさんがね、パンナ元総理がね、あの皆さんの前に行った時に、必ず喋ることですけど、日本はあの時に本当に助かったけど、もし最悪の事態が起きてたらどうなったかというと、250キロ、福島から250キロ、すなわち東京まで住めなくなるんですよ、人が。その本当に手前まで行ってた、手前までね、もうちょっと悪かったら東京まで住めないことになってた。東京まで住めないということは、日本の場合は国がなくなるということなんですよね。人口のもう 40% がその250キロ圏に入ってるし、そういう人たちが避難なんかできるわけないし、東京の会社とかあの経済とか全部潰れたら日本が潰れるということです。そこまで、もう少しでそこまで行ってた。だからフランスも日本と同じようにたくさん原発あるわけですから、一つポワッといったときに本当に国が原発というのは国が潰れるほどの大きな事故になると、飛行機が落ちるのや列車がぶつかるのとは全然意味が違うと、これをねあのこの映画で一番言いたかったし、菅さんがいつも言う話なんで、私が今日は代わりに喋っておきます。Je vais vous dire quelque chose de très important que j'ai oublié de dire, mais quand je participe à des débats après le film avec M. Kahn, ou même sans le film d'ailleurs, M. Kahn dit toujours que vraiment, et je parle à sa place, mais il l'a dit tellement souvent devant moi que je peux le dire, qu'il est absolument convaincu que là, ils étaient à un doigt de la vraie catastrophe, ça aurait pu être encore pire que ce qui s'est passé. Et dans ce cas-là, il lui fallu évacuer. C'est-à-dire que tout un territoire dans un rayon de 250 km à partir de la centrale devenait invivable. Ça voulait dire qu'il fallait évacuer la population de Tokyo. Tokyo, c'est 40% de la population japonaise. C'est le siège de toutes les entreprises, c'est le centre de l'économie et de toute la vie du Japon. Donc, Tokyo n'existait plus. On ne pouvait plus vivre à Tokyo. Et ça voulait dire que le Japon était rayé de la carte. Donc, Monsieur Kahn le dit tout le temps, c'est pas comme un accident d'avion, il y a un nombre considérable de morts. Là, c'est quelque chose d'absolument énorme. C'est plus que des vies humaines, ce sont des vies humaines, bien sûr, mais en plus, c'est tout un pays, toute l'organisation. Et quand on sait qu'en France, vous avez des centrales un peu partout, regardez les endroits où vous êtes à plus de 250 km d'une centrale, il y a vraiment très peu d'endroits où alors c'est des terres très, 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 très désertiques. Donc, il faut vraiment se préparer à arrêter, chasser le nucléaire. Ce n'est pas le sortir, c'est le chasser par les énergies renouvelables. Et ça, c'est M. Kahn qui le dit, et vraiment, je voulais dire. Bravo. Merci beaucoup pour votre intervention. On vient nous montrer le film ici et nous informer de certaines choses. Dans le film et dans les informations qu'on a reçues en France, je n'ai pas réussi à savoir si c'était le séisme qui avait provoqué l'accident ou le tsunami. Et
J'ai entendu dire que les murs d'enceinte qui pouvaient protéger la centrale n'étaient pas aussi hauts que ce qui était prévu. Est-ce que derrière, il y a eu une action corrective un peu sur les autres centrales? Le problème par rapport au tsunami, les centrales Fukushima Daiichi, les dirigeants de TEPCO, ils savaient très bien que le tsunami monte jusqu'à 15 mètres de hauteur. Ils ont déjà fait une étude préalable pour modifier leur équipement et installation. Et ils ont reconnu que ce risque existe, qui dépasse la barrière de l'époque. Mais finalement, ils ont décidé de ne pas faire parce que ça coûte extrêmement cher pour faire des barrages suffisamment hauts pour défendre 15 mètres de tsunami. Donc, actuellement, il y a un procès contre les dirigeants de TEPCO et c'est aussi un des points de procès important à justifier de la part de TEPCO, pourquoi ils n'ont pas fait ça, tout en sachant qu'il y avait un grand risque de tsunami. Donc on va voir quel serait le résultat de ce procès. Est-ce que ce fait de TEPCO était vraiment condamnable ou pas? Ce sera donc un des thèmes de ce procès important. Vous avez dit que vous avez pu montrer le film au Japon seulement pendant 2 semaines, pas plus. Donc à Tokyo. Ah pardon, à Tokyo. Et donc je me demandais pourquoi vous n'avez pas pu le diffuser plus largement au Japon pendant plus de temps. 39 salles quand même, 39 salles une semaine chacune. 39 salles plus Tokyo 2 semaines. Ah, donc ça a été. Ah d'accord, je pensais qu'il y avait de la demande et que. Peut-être vous avez reçu peut-être des intimidations, des menaces, peut-être de ne pas montrer votre film plus largement. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on pourrait envisager une sortie du film dans d'autres pays du monde à grande échelle, pas juste organisée dans des cinémas derrière les essais, par des collectifs, etc., mais à plus grande échelle. なぜ2週間で止まったかというのは私も分かりません。それは映画館は絶対言わないですから、ひょっとしてどっかの圧力があったのか、そんなことは言わないです。だけどもその2週間で止まったという事実しか残りません。で、外国でね、どうして一般公開こういうような自主上映だけとかね、一般公開できないか、いや一般公開したいですよ。俺はしたいけどなかなかできない。本当にもう今日みたいにね、こうやってくれる映画館があったり、皆さんが集まってくださるのが本当に嬉しいけど、一般公開したいですね。En ce qui concerne l'arrêt au bout de 2 semaines du cinéma à Tokyo, je n'ai toujours pas compris, alors qu'il y avait des files d'attente, pourquoi, je suppose, mais je n'ai pas de preuve et je n'ai pas fait l'enquête, qu'il y a eu des pressions quelque part qui ont convaincu les responsables de la salle d'arrêter cette projection. Tout ce que je peux dire. Sinon, il a été dans 39 salles partout. Et Tokyo, c'est un fait, mais inexpliqué, je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas de mon fait. En ce qui concerne une sortie commerciale normale dans d'autres pays, en particulier par exemple en France, je le souhaite de tout mon cœur, mais pour le moment, c'est pas encore prouvé, mais on y pense, et M. Kobayashi ici active. On essaye de trouver, mais c'est pas... Non, moi j'y crois beaucoup, mais c'est pas évident de convaincre un
L'État japonais, le gouvernement japonais avait promis, après cette catastrophe, de mettre au point des robots pour aller au cœur de la centrale et au cœur des réacteurs. On n'en parle plus du tout. あの、小さいロボットいっぱい作るんですけれど、まだね、その近くまで行くと壊れちゃうんですよね。放射線強すぎて。だからそのロボットの開発にものすごい時間とお金をかけてやってます。やってますけど、あの、何、そのやっと写真、中の写真を撮ったというぐらいが限度で、今のところそのぐらいしかできてません。 Si les robots, il y en a eu beaucoup qui ont été mis au point, plein. Ils continuent à essayer d'en faire, mais c'est des tout petits robots. Ils n'arrivent pas à en faire des gros. Qui rentrent à l'intérieur du réacteur. Et le maximum, c'est qu'au bout de quelques temps, ils sont détruits par la radioactivité. Donc on n'a pas encore. Il faut des efforts pour mettre au point ces robots, parce qu'il n'y a que les robots qui pourront résoudre le problème. Mais pour le moment, on a réussi à faire que des petits qui sont détruits au bout d'un certain temps. Ils sont très fiers d'avoir obtenu de faire des photos à l'intérieur du cœur. C'est tout ce que les robots ont pu faire. Mais au bout de quelques temps, étant donné le niveau de radioactivité, ils sont détruits. Donc ils ont mis beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et le résultat, c'est juste des photos à l'intérieur du cœur, mais c'est des photos qui ne sont pas encore concluantes, puisqu'on ne sait toujours pas où est parti le cœur. Donc, le meltdown est un biobritien, mais le néo a tombé dans le cœur. こいつがどういう格好になっているか、やっと写真が1枚撮れた、2枚撮れたというぐらい で、これを見るとね、ロボットも必要かもしれないけど、そう簡単にこ の、デブリをね、取り除いて廃炉なんてできません。今全部40年でやると言ってますけど、40年なんかできないという人がいっぱいいます。100年かかってもできないんじゃないかと。そのぐらい、やっぱりひどいことなんですよね、原子炉の事故っていうのは。Donc de toute façon, les robots, il faudra des robots d'une taille assez conséquente parce qu'ils résistent d'une part. Et puis quand on voit la photo, on a réussi à faire une photo, deux photos maximum. Donc les robots, il faudra des robots. Donc ce qu'on a vu du cœur, c'est tellement effrayant qu'on a l'impression, ils avaient dit qu'au bout de 40 ans, on arriverait à nettoyer le cœur du réacteur. Même 100 ans, je crois qu'il faudra plus que 100 ans. Tous les spécialistes s'accordent pour dire que même 100 ans et peut-être 200 ans, on ne sait pas du tout, personne ne peut dire de date. Parce que d'abord, il faut mettre au point un robot. C'est évident qu'il faut qu'il y ait un robot. Ils continuent à essayer d'en faire, mais pour le moment... On n'a pas trouvé de robot qui résiste à cette radioactivité. Donc on a des photos. C'est tout ce qu'on a pour le moment. Je suis désolé parce qu'en fait, il y aurait eu 50 000 autres questions. Je le sais dans la salle, mais il y a un moment donné où il faut qu'on s'arrête. Une question en japonais, par exemple. Okay. Alors si j'en accorde une là, il faut que j'en accorde une autre là-bas. Mais j'accorde celle-là et après j'accorde la dernière là-bas. Donc deux questions. Deux questions. En français et en japonais, alors. Voilà. である日本人です。今日今回は来ていただいてありがとうございます。日本自然を使ったエネルギー開発がすごくやっぱり必要だと思うんですけど、日本は海に囲まれているので、潮の力を使った電気の開発っていうのはどうなるかなとずっと前から思ってるんですけど、それはどうなんでしょうか。いろんな。La question も。Pourquoi bon le Japon est entouré par la mer。Donc pourquoi on ne pourrait pas utiliser la force des marées pour générer l'électricité? En simplifiant la question, c'est ça. Donc je me pose cette question depuis toujours, la force des marées. Il y a des gens qui ont développé ça. Par exemple, en Doïts, on a fait ça, en Hokkaido. En Japon, on a fait ça, mais en fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, c'est un main qui ne se fait pas.どうしてもその太陽光というのが一番やっぱり早くて、安くなって誰でもできるというのがやっぱりいいんでしょうね。私は、日本はもう少しこう風力を増やせばいいと思うんですけど、日本って風が少ないんですよね。だから世界 の国に比べて風力少ないんですけど、やっぱり当分太陽光です。
ですけど、これもまたね、話が長くなるから今日やめますけど、ものすごく複雑な状況なんです、ビジネス的にはね。まだその政府が邪魔するんですよ、太陽光、うん、だからもうとにかく原発のためにその電線の空きを取っておくとかね、そういうことをするからね、太陽光をつないでくれなくなるんですよ、いくら発電してもね。でつなぐ時にはたくさんお金を取るとかね、もう本当に今の電力会社ひどいですね。まあ、そういうことで波は私のせいではないけど研究します。Les usines marémotrices, enfin, l'expérience d'utiliser le cours des marées, de l'énergie des marées, il y a des expériences, il y en a en Allemagne, il y en a au Japon aussi, mais ce qui est absolument sûr, c'est que c'est l'énergie solaire qui est la plus rapide. Alors, elle est à portée de main, elle est la moins chère, et le marémotrice, c'est beaucoup plus cher et ça prendra plus de temps. Mais il y a les Allemands le font dans la mer du Nord. Donc c'est très difficile de se raccorder à ce réseau quand on a des producteurs isolés un peu partout, l'éolien, ou alors il faudrait et le solaire, etc. Donc ces sociétés d'électricité sont vraiment des monstres. Dernière question. Là. Allez, la dernière. La question des déchets nucléaires a-t-elle été mise en débat au Japon? Comment est abordée cette question? Puisque vous avez rappelé tout à l'heure que les premières centrales ont été construites vers les années 70. Merci pour votre réponse. Non. De Fukushima ou de en général. En général, comme les déchets résultant de la production d'électricité par les centrales atomiques. Donc, c'est-à-dire les combustibles irradiés. Oui. Et les déchets, multiples, cette question. Non, parce que les combustibles, les déchets, c'est ce qui est issu du retraitement, mais ça peut être aussi les combustibles irradiés. Qui ne sont pas forcément retraités. Justement. Qui deviennent de fait des déchets aussi. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est les combustibles irradiés ou c'est les déchets issus du retraitement? だから一般的にそうですね。だから使用済み燃料とかあるいは再処理の結果によるその排出物とか、いや全部の問題。どっちも両方。使用済み燃料っていうのはもういっぱい溜まってるんですよね。今まだ福島の原発の中にも使用済み燃料燃料棒がまだあるんですよ。実は4号機だけ取ったけど、1、2、3号機にはまだ1500本以上残ってるんですよね。で、日本中の原発に全部それがあって、それで、それを青森県の六ヶ所村というところに持っていこうと、まあ持っていくんですけれど、そこで再処理するということになってるけど、その再処理がまあ確立してないんですよ。だからもうむちゃくちゃな話ですよ。再処理技術が確立してないのに、できないのに、たくさん使用済み燃料がいっぱい残って日本中にあるというこういう状況です。これを解決することはそう簡単にはできないと思います。けど議論されてないんですか？議論はもちろんしてますよ。だから議論したっていい方法ないから。だってそれをもうどこに持ってくるかってどこの国もそんなもの引き受けてくれませんからね。だからそれが一つ。だからその再処理をしてプルトニウムを取り出すということに関してはフランスに実は多くを日本は頼っていて、日本のプルトニウム47トンのうちの日本にあるのはまだその3分の1以下で、多くはフランスにあるわけなんですよ。日本のものだけどフランスにあるという、これ変な格好になっています。それからデブリの話はもう全然違う話で、これ100年かかるで、今からこれからどうやってやるか研究するというそういう段階です。はい、bien sûr, il y a beaucoup de discussions, mais enfin, bon, la situation est inextricable, parce que en fait, le combustible irradié est stocké sur les centrales. Actuellement, même à Fukushima, vous avez encore les piscines des réacteurs 1, 2, 3 qui sont encore pleines de combustible irradié, donc des crayons. Il y a 1500 crayons
combustibles qui sont encore à Fukushima. Et en principe, et il y en a dans toutes les centrales du Japon, elles sont stockées, les combustibles irradiés sont stockés en attente de retraitement. Alors le retraitement, il va se passer à Okashimura, qui est au nord du Japon, mais l'usine de retraitement n'est pas encore construite. Enfin, ils ont plein de problèmes, et alors on pense à les transférer là-bas, mais alors que l'usine ne fonctionne pas, qu'elle n'est même pas construite d'ailleurs. Donc voilà, on est dans une situation absolument absurde. Et en plus, alors si vous parlez des débris, c'est-à-dire de ce qui sort, de ce qui est encore dans... Débris, on appelle ça le corium. Oui, le corium. Oui, c'est vrai, il faut dire corium, tu as raison. Enfin, en japonais, on dit débris, alors... C'est les débris, c'est les petits morceaux de cœur fondus, là, enfin, les meltdown. Et alors là, ceux-là, c'est encore pire que tout. Quand au plutonium, parce qu'on a confié le retraitement de combustibles irradiés japonais, on les a confiés à la France, qui les a retraités à La Hague, et actuellement, 47 tonnes de plutonium qui appartiennent au Japon ont été retraitées en France. Mais il n'y a qu'un tiers qui a été retourné au Japon. Donc les deux tiers sont encore en France. Donc ça aussi, c'est un autre problème, mais c'est inexplicable, c'est fou. Et on continue à produire, et on n'a pas de solution. Si, la solution, c'est le retraitement éventuellement, et même quand on aura du retraitement, on aura trop de plutonium, mais qu'est-ce qu'on fait avec le plutonium ? Donc, en résumé, le règle générale de traitement de déchets, et pour l'instant, les autorités japonaises essayent de donc, faire démarrer l'usine de Rokkasho, confrère de La Hague, et faire retraiter. Mais depuis 30 ans, depuis le commencement des travaux de construction de cette usine, ils n'ont jamais réussi à démarrer. Et on ne sait pas si ça va démarrer réellement. On ne sait pas. Et puis, ils sont quelquefois d'arrêter, hein. Le Japon aussi, ils ont cherché, les autorités ont cherché de l'enfuir, les enfuir. Soit il y a deux candidats de lieu d'enfouissement, soit à Horonobe, c'est le nord du Japon, à Hokkaido, et puis à côté de Gifu. Il y en a deux. Centres de recherche qui ont été créés, ils essayent d'étudier comme dur, hein. Mais et depuis l'accident de Fukushima, tout est un peu en suspens parce que ils ont compris que le sol du Japon c'est pas aussi nettement solide comme Onkalo ou ailleurs, donc l'enfouissement, le projet de l'enfouissement n'est pas du tout concrétisé. Sinon, il y a aussi des déchets, et déchets généraux de sol contaminés par l'accident de Fukushima. Et les autorités japonaises ont autorisé d'utiliser des déchets de sol moins de 8000 becquerels par kilogramme. Pour utiliser, par exemple, des sables ou des terres pour la construction. Donc, on fait recycler ce genre de déchets radioactifs, comme ici, Kojima a fait un peu partout aussi, faire utiliser des constructions de l'école maternelle ou ailleurs. On a eu des problèmes. On a déjà entendu parler de ce problème. Donc, à cause de cette autorisation japonaise, Veolia, la société française commence à dire, le président de Veolia commence à dire, on va exporter des déchets de faible dose, déchets français, au Japon, faire traiter au Japon, parce que de toute façon, les Japonais ils vont construire l'usine de retraitement ou l'usine de gestion de déchets faiblement radioactif, on va tout envoyer là-bas et puis on va gagner l'argent. C'est comme ça actuellement de la situation. Mais enfouir quoi ? Ils veulent enfouir les combustibles irradiés ? Oui, directement. Juste pour finir, je vais m'octroyer la dernière question. Je suis vraiment désolé pour ceux qui voulaient poser une question. Juste un tout petit mot quand même sur la question des procès en cours.
la responsabilité des acteurs, qui aujourd'hui est attaqué et par qui, sur la question de la responsabilité de ce qui s'est passé à Fukushima. Et puisque on recevait ici il y a un an ou deux une chercheuse en épidémiologie cherchait à criminaliser la responsabilité des industriels, des pesticides et de l'amiante, est-ce qu'on peut imaginer que ces procès aboutiront et qu'ils aboutiront, y compris une responsabilité criminelle, puisque le principe de cette responsabilité criminelle, c'est que les gens en responsabilité connaissaient les risques, qu'ils savaient en toute conscience les risques qu'ils pouvaient avoir.裁判の争点はそこです。テプコがその津波が来た時にこういうことになるぞというのを知ってたのに、そのまま放っといたんですよね。発電機を津波にこう濡れないところに高いところに上げなきゃいけなかったのに、それをやってない。だから知ってたのにお前たち何もしなかっただろうとこが裁判の争点になってるんですけれど、今のところ負けてます。 最高裁までいってませんから、勝つかどうか分かりませんけど、私は裁判官じゃないに何とも言えないんですけど、今のところ負けてます。でこれはね本当にねひどい話で、検察はねこれを無視したんですよね、却下したんですよ。だけど検察審査会という民間の方でもう一回裁判になったんですよね。だから相当時のそのテプコの偉い人が被告になってるんですけれど、 今ね本当にあなたが言われる通り、これ注目の裁判です。まだまだ結論出ません。予測はつきません。 Pour le moment, les procès sont destinés contre la TEPCO qui effectivement connaissait le risque et n'aurait jamais dû construire leur centrale à un niveau si bas. Donc on le sait, c'est comme ça qu'on fait les procès à TEPCO. Pour le moment, TEPCO n'a jamais été encore condamné, mais il y a encore des appels et pour le moment. Tous ces procès sont en cours et c'est effectivement l'argument que l'on essaie. Et pour le moment, la Cour n'a pas encore donné raison au plaignant. C'est vrai que ce procès contre les trois dirigeants de TEPCO, c'est un procès pénal. Donc, à la fin, finalement, si la justice reconnaît la responsabilité de TEPCO, il sera condamné. Ils seront condamnés. Mais pour l'instant, c'est extrêmement difficile de prouver leur crime sur plusieurs niveaux. Et TEPCO prétend toujours que c'est à cause de forces majeures de la nature qui a provoqué cet accident. Et toutes les prévisions à respecter, par exemple, il fallait construire des digues plus importantes, etc. Ce genre de truc, c'était par la question de l'optimisation économique. À l'époque, TEPCO, il prétend qu'il n'avait pas moyen de le faire. C'est ça l'argument de TEPCO. Donc, tout ça, il faut des heures et de l'année pour avoir le résultat de ce procès. Et est-ce qu'il va faire un... Même si partie civile gagne, est-ce que TEPCO fait appel? Et puis, il faut attendre le jugement de cour de cassation, n'est-ce pas? Donc, ça prendrait encore des années et des années pour avoir le résultat. Ok, merci beaucoup.今日はどうも本当に皆さんありがとうございました。日本でもよくこういう会するんですけどね、11時47分って最高ですね。さすがフランスでね、日本はこんなに遅くはしませんけれど、本当にこうやってね皆さんが白熱したご意見をねくださってディスカッションできたことを本当に嬉しく思います。ありがとうございました。Je vous remercie beaucoup beaucoup pour la passion avec laquelle vous avez mené ce débat. Je suis complètement surpris, il est minuit, 11h47.
au Japon, c'est absolument impensable. Je vois que je suis en France et que je suis avec des gens passionnés. J'espère que je vous remercie beaucoup, beaucoup. Dire, vous remercier déjà nos trois intervenants ce soir, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure au départ. Merci beaucoup. Je voulais répondre quand même à une question qu'il y avait eu de Thérèse, au fond, qui était qu'est-ce qu'on fait en France. Et effectivement, vous n'avez pas répondu, c'est normal. Je ne peux pas à vous de répondre. Mais il se passe des choses ici. On a parlé du collectif Chantier, mais il y a d'autres choses. On a aussi le nucléaire militaire en France, en plus du nucléaire civil. En France comme au Japon, donc il y a une marche pour la paix en général, mais aussi contre le nucléaire. Donc 13h45, 50 otages à Nantes et un peu partout en France. Il y a un rassemblement, donc oui, samedi prochain, il y a un rassemblement le 14 octobre à Crozon, là où il y a la base de sous-marins nucléaires, lanceurs de missiles, qui portent chacun 640 fois Hiroshima. Le sous-marin nucléaire, il y en a quatre. Donc ça se passe ça le 14 octobre avec les transports en commun au moins de Rennes, on espère de Nantes, mais ce n'est pas garanti. Voilà. Et sinon, sur d'autres thèmes, parce qu'il y a le nucléaire militaire, il y a l'EPR, il y a les réacteurs qui existent, il y a aussi Bure, comme vous le savez. Et concernant Bure, il y a une conférence gesticulée à la manufacture à Nantes le 3 octobre à 20h. Et sinon, je voulais apporter une dernière précision, c'est que ce qu'on appelle le retraitement, très mal nommé d'ailleurs, c'est vraiment pas une solution, ça réduit pas les déchets, quoi. C'est un moyen d'extraire le plutonium pour le réutiliser dans la bombe ou dans un autre combustible nucléaire. Ça multiplie les déchets par 7. Oui, voilà, bah, je ne savais même pas. Merci. Un grand merci à vous tous.